Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, nous retrouvons Julia Palombe, qui va nous parler de la panne d'essence. Mais quand on vous regarde, Julia, nous ne sommes plus en panne d'essence. Vous êtes magnifique. Ça dépend comment vous Merci, écrivez Brigitte. D'essence. Et oui, mais c'est plus loin, SENS, ben oui, évidemment. Voilà. C'est tout le charme de cette chronique. Mais où sont les pompes à désir? Les Français sont pris au piège de la digitalisation de leurs rapports sociaux. La panne d'essence menace. Pénurie d'acteurs dans nos lits, pénurie de spectateurs dans les salles de cinéma, les concerts. La grève des caresses et des baisers a été déclarée sans que l'on s'en aperçoive par les géants Netflix et compagnie. Aujourd'hui, quand vient la nuit, on n'embrasse plus sa girlfriend. Mais son ordinateur. Merde. Nous sommes le 13 octobre 2022 et nous sommes en pénurie de notre carburant essentiel, notre désir charnel. Et pas de carburant, pas de cul. Cette pénurie s'étend peu à peu à tout le pays, mais les populations ne se trouvent pas impactées de la même manière entre les habitants des grandes villes, encore partiellement excités, hein, et ceux des zones rurales en voie de désertion érotique. Nous sommes au bord de la panne, pourtant une chose est sûre, l'amour physique est indispensable à la majorité des Français. Alors, comment faire? On observe de nombreux retards à l'allumage, hein, les fameuses peines à jouir. De leur côté, les Français qui se levaient tôt se lèvent encore plus tôt pour espérer quelques étincelles d'inspiration. Alors, pas forcément par confort de vie, mais par nécessité. Hein. Ils sont poètes, artisans, cuisiniers, musiciens. Leur matière première, c'est le désir. Ce sont eux qui composent nos plaisirs à venir. Ce sont eux dont le carburant sensuel est l'outil de travail. Alors, plus rare et plus cher, nos plaisirs vont-ils devenir réservés aux riches? Le sexe du futur sera luxe ou ne sera pas? Enfin, j'espère que non, mais en attendant, nos réservoirs sensuels... Cela dit, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est important. Certaines enquêtes ont été faites, et bien, curieusement, les pauvres baissent plus que les riches. Ah, donc ça voudrait... Ce qui veut bien dire que quand on se prend un peu trop la tête, il ne reste plus grand-chose pour le bas. Hein. Oui, je crois que ce n'est pas faux. Bien sûr. Et finalement, c'est plutôt sympathique ça, quand même. Ah oui, ça me rend... Je veux bien aller du côté des pauvres. Alors en attendant, nos réservoirs sensuels sont siphonnés hein, par l'offre toujours grandissante des plateformes digitales dont le but à peine dissimulé semble être de nous assigner à résidence avec notre gré, s'il vous plaît. Les Français vont bientôt être empêchés de faire l'amour, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur forme physique. C'est un comble. On note ces jours-ci une hausse de dépannage, oui. À l'heure où je vous parle, les sites de rencontres remplissent leur rôle de dépanneurs de corps en panne de contact physique à la perfection. Mais pour combien de temps encore va-t-on faire la queue devant une application de rencontre de dépannage? La pleine baise, tout le monde la cherche, mais la jauge de nos désirs se vide peu à peu. Quelle offre, enfin, quelle solution plutôt s'offre à nous? Alors, l'État régulièrement pris à partie par les organisateurs d'événements du vivant, hein, producteurs de spectacles, restaurants, hôteliers, festivals, fait le sourd d'oreille concernant notre panne d'essence. C'est à se demander s'il ne s'est pas trop masturbé, puisqu'on sait que ça rend sourd. En même temps, il ne lui reste peut-être plus que ça. Enfin bref, nous ne pouvons pas décemment compter sur l'État dont les bénéfices financiers de cette situation sont certainement palpables, eux. Enfin, en revanche, nous pouvons décider de prendre la chose en main, fermement, et y mettre les formes, le temps qu'il faut à la montée de l'excitation, y faire glisser, aller et venir le manche de nos désirs. S'il le faut, crachons dans l'effort sensuel vers le sommet, dérouillons nos articulations ankylosées, chevauchons les plaines, les vallées, remplissons la jauge de notre désir à grands coups d'envolées fantasmatiques, de rêves, d'imaginaires, exigeons de nous-mêmes de la tenue, oh tiens le bien, car s'il ne restait qu'une seule chose sur cette terre, il vaudrait mieux que ce soit le frisson de nos chairs excitées, curieuses, de se frotter les unes aux autres. Peau à peau, nous naissons, peau à peau, nous devrions peut-être partir, non? Chers auditeurs, mettons un terme à ce cirque digital et faisons le plein d'essence. Eh bien, merci pour ces jeux de mots qui sont tout à fait d'actualité et je suis sûre qu'on ne les a pas tous saisis. Donc voilà, mais ça peut se réécouter en podcast. Hein, de toute façon. Voilà. Hein. Merci Julia. Merci Julia.